Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sands of Salzar. On se relance avec notre petit chaman et on était sur le point d'entrer dans la fameuse mine abandonnée qu'on avait un peu galéré à trouver. Mais on y est, c'est parti. Alors, on peut choisir 3 membres du groupe pour nous joindre. Donc on voit qu'on est tout seul pour le coup. Donc tant pis, on va aller tout seul, c'est pas grave. Alors, à quoi ça ressemble? Merde, putain, je suis ressorti. Donc il faut pas s'approcher de la porte, sinon on ressort. Très très bien, on va s'en souvenir. On va donc avancer comme ça. Alors ici il y a un Grunt, Grunt Squadron x2. Ouais, alors est-ce qu'on est capable de gérer ça? C'est pas dit. Ah oui, Grunt Squadron x2 quoi. Putain, on leur fait rien comme dégâts. Ok, on s'est transformé en ours. Alors, même avec le heal, c'est chaud. Hein. Ouais, on a tué un, ça déconne plus. Ah non, on est mort. Ok, donc c'est un petit peu tendu. C'est un petit peu tendu quand même. Bon, là, ce qui est cool, c'est que la mort a pas non plus des conséquences dramatiques. On va quand même recharger. Pas trop l'intérêt de perdre l'équipement qu'on avait pris. On va essayer d'y aller. Sans se faire les combats, après tout, on n'est pas là pour ramasser 3 bouts de caillasse. On est là pour la quête. Et. Ah, il y a du jade ici. Alors, on arrive à la place prévue, mais il n'y a personne autour. Ah, vous êtes ici, traître d'homme bête. Alors, on entend le bruit de métal qui s'entrechoque. Et on regarde derrière nous et on se voit une ligne de guerriers. Alors il demandait s'ils sont la Légion Sombre. Je suis content que vous vous souveniez de nous. Alors, ces hommes ont leur visage recouvert par leur casque. Le boss n'est pas une exception, très bien. Alors, on n'a pas besoin de laisser une impression quelconque sur le traître. Et donc, ils nous attaquent. On va combattre. Alors, voyons ce que la... Oh putain, ils sont 15 encore. Oh, ils font beaucoup trop mal. On leur fait plus mal que les brutes, mais ils font beaucoup trop mal. Très bien. Et on est re-téléporté là. Bordel, ça va être tendu. Alors, est-ce que j'ai pas suffisamment monté de niveau? Je ne sais pas. Bon, on va reprendre déjà notre marteau parce que avoir un peu de stunt c'était quand même mieux. La lance non. Après on avait cette épée là mais c'était vraiment vraiment trop long. Cela dit ça a la même vitesse d'attaque que le marteau. Hein. Ouais. On va reprendre notre grande épée. Recommençons. Alors, je découvre un peu, hein, donc je sais absolument pas comment on peut estimer les combats et tout, si ça peut changer des choses. Donc on va retester. Et peut-être qu'il va falloir qu'on revienne avec, avec d'autres personnes. Hein. Alors déjà, est-ce que dans les objets de notre inventaire... Ah putain, on peut plus ouvrir... On peut plus ouvrir l'inventaire quand on est là, d'accord. Je voulais voir si j'avais d'autres objets éventuellement à mettre. On peut essayer de négocier pour voir un peu
Alors, je ne suis pas quelqu'un de déraisonnable, et mes frères non plus. Alors, on a besoin d'argent. Nous sommes nombreux. Vous décidez, enfin, décide combien ferait qu'on soit content. Si on accepte. Alors, combien on veut donner? Bon, moi je donne rien, moi. On donne rien, nous. Ouais, quand ils sont tout autour en train de taper, ça fait mal. Ouais, non, je pense qu'on a effectivement pas le niveau encore pour cette quête, tout simplement. Donc c'est pas grave, on va recharger. Et on va... tant pis, on a passé un peu de temps à fouiller, mais on va plutôt essayer de s'entraîner encore un peu. On va voir si par exemple on peut réussir à se faire une des quêtes qui était envisageable, hein. Je crois qu'il y en avait quelques-unes qu'on pouvait tenter. Donc là c'était level 8. Il y avait le tournoi également qu'on pouvait éventuellement essayer. Voilà, là c'est level 3, on va essayer. On explore en mode régiment. Et on est entouré par des bêtes. D'accord, très bien. Alors cette fois... Il en reste un qui combat quelque part. Ouais, victoire. Ah, et tout le monde prend des niveaux, c'est parfait, sauf nous. C'est pas très grave. Alors, on récupère un peu de thunes. Bon, ok, c'était pas fou. En même temps, c'était un truc level 3. Ici, on va voir si on peut se faire ces bandits. Ça a l'air d'être un camp de bandits ordinaire. Alors, un maraudeur du désert level 12. La cavalerie de chameau level 5 et 3 bandits du désert level 5. Non. Non, 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 non. Il n'y a pas moyen. On va regarder plutôt les trucs un peu plus bas niveau, découvrir un peu ici c'est level 7. Après on est peut-être un peu bas niveau pour la zone de manière générale en fait. Ok, du coup, eux, ils considèrent pas qu'on est trop fort du coup. Visiblement, c'est une erreur. J'ai raté. On a tellement d'unités de corps à corps qu'on n'arrive pas à passer, quoi. Ok, ça le fait. Et du coup, on gagne un petit niveau. Parfait. Alors, regardons un peu ce qu'on peut faire avec ça. Alors, on peut améliorer notre slam encore un coup, plus 15% de coup critique. Ok, et le slam comme ça, plus 10% de vie. Ça peut être pas mal quand on est tout seul, ça. On peut aussi améliorer crunch. Alors, on peut aussi prendre ce truc-là. Ce qui est pas mal, parce que 100% de soins sur une attaque qui fait... 525 de dommages, 3 fois nos dégâts. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ça va être extrêmement utile pour nous heal, surtout quand on est tout seul. Ah, et on peut promote cela, les youngsters. Ça nous coûte 50 de thunes et 15 de chaque ici. Et on les transforme en apprentis alchimistes. Mais oui. Mais complètement. Mais bien sûr qu'on fait ça. Alors faut faire attention à garder un peu de sous, hein, parce qu'on a toujours D'ailleurs, il faudra peut-être que je regarde combien de temps il faut, mais le truc qui nous... On doit rendre une rançon, là. Je vais y arriver. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Oh oui, avec le petit coup d'épée, là, on les lamine. Il faut encore qu'on les touche.
par là, qui court après nos sorciers. Boum. Alors, on trouve une épée en fer, ok. De base, la thune du bois, parfait. Regardons un petit peu. Ah, il nous reste plus que 10 jours pour ce truc-là, ouais. Il faut qu'on aille à Fleur. Alors ça, du coup, je sais pas si on pourra, si on pourra la faire plus tard, on verra, hein, tant pis, voilà. On va laisser de côté pour l'instant. Il faut qu'on aille là, à Fleur, l'outpost du nord, et ça, il me semble que c'était par là, hein, ouais. Donc il faut qu'on... Il faut qu'on retraverse, il faut qu'on retourne à Reston Keep. Alors ce qu'on va faire juste avant, déjà c'est prendre ce truc là. Il faut qu'on redescende tout là-haut et qu'on descende tout là-bas plutôt. Et on est hyper loin, parfait. Alors en avant, le tournoi d'Acne, on va le laisser de côté pour l'instant. Je pense qu'on a, on a pas le niveau. On va faire les combats sur le chemin pour level up un peu, hein, parce qu'on est quand même sur un genre de hack and slash, donc parfait, hop, petite victoire. Ok, donc maintenant ça suffit, on leur a fait suffisamment mal pour qu'ils soient conscients de leur faiblesse face à nous. Ce qui ne va pas nous empêcher de continuer de leur taper dessus. Putain, faut que je clique sur Pursue, je suis con. Chaque fois je me fais avoir. Ici, est-ce qu'on peut faire des trucs? Deux niveaux d'exploration, il faut être level 7. On n'est pas encore au niveau. Boum! Alors il y en a un qui s'enfuit là-bas. Wouhou ! Ah, un petit peu de nourriture, ça c'est cool. Alors ça c'est quoi ? Niveau 12. Ça fait mal, c'est très très mal. Hop là. Et on est pas mal en coup critique, hein, on fait quand même mal. Mais non, il faut que... Si j'active ma compétence, ça me bloque. Oh, on a gagné un arc court de férocité et une lance en zigzag. D'accord. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on trouve un marchand pour vendre un peu d'équipement aussi à un moment. Donc ça fait quoi cette lance en zigzag? Ah, elle fait du saignement. D'accord, pourquoi pas. 55 de vitesse d'attaque. Weapon speed 0,6. Alors étant donné que la dague à 0,4, j'ai l'impression que plus c'est haut, plus c'est lent en fait. C'est pas une vitesse d'attaque, c'est une lenteur d'attaque plus. Alors ça a une grande portée, mais c'est pas trop notre trip. On va garder notre épée pour l'instant. Moi ce que je voudrais faire, c'est attaquer le camp. Ça c'est un petit truc, il y a peut-être moyen. Voilà, level 5, c'est pas mal ça. Alors il y a un autre groupe ici, et ils ne sont pas amicaux. Parfait, ils sont 22. Ça déconne un peu moins, effectivement. Donc c'est ça les bandits du désert, hein. Ils sont quand même un petit peu badass. Ok, on est devenu un ours. Hop, la petite archère, on la chope. Ah, il y a encore du monde, hein. Ils sont encore 4.
Parfait, tout le monde prend un niveau quasiment et on a un petit peu de sous. Ah, et on a des outils pour forger, ça c'est cool. Enfin, je sais pas ce que ça fait, mais j'imagine que c'est cool. Alors ici on n'a toujours pas de jade, on n'en a pas trouvé malheureusement. Ah non, non, c'est un autre truc, tiens. La dernière fois on pouvait recruter des mages, mais là c'est autre chose. Il y a un Ifrit qui est en train de frapper un mendiant humain. Et les gens du cru qui passent ignorent ce qui se passe et ils s'inclinent même devant, devant l'Ifrit. Nous on va se faire l'Ifrit là. Ok. Ils sont un peu énervés les mecs. Ah, ils nous ont tués. Allez, on en a tué un. Alors il va essayer de faire un peu de mal à ceux-là là. Wow, ils font tellement mal. Ok, on n'a pas le niveau pour des ifrites améliorés. Très très bien. Nos suivants sont disappointed. Ah, et puis ils prennent un peu cher. Alors du coup, est-ce qu'il y a un truc de sauvegarde auto? Je vais même pas vérifier. Ouais, il y a un truc de sauvegarde auto. Parfait. Ouais, c'est un jeu où il faut vraiment avoir que j'apprenne à sauvegarder aussi plus souvent. Non, c'est F5 la sauvegarde rapide, ouais, c'est ça. Ah, mais attendez, c'était ce truc là que j'avais combattu. Oui, ok, non, faut que je refasse celui-là. Ah non, ça a sauvegardé juste après qu'on l'ait fait, parfait. Alors du coup on peut améliorer un loup. Ouais on va prendre ouais. Hop. Et on peut aussi améliorer eux. Alors ouais on peut les envoyer vers initié. Donc initié ils ont quoi? Une attaque instrument. Ok très bien. Pourquoi pas. Et après, ils vont vers prêtres qui peuvent faire de la frénésie, des bombes de poison. Ok. Ou alors on les envoie vers assassins. Et là, ils peuvent toujours lancer leur couteau. Oui, qui se téléportent dans le dos de l'ennemi. On a déjà nos deux loups qui font du combat au corps à corps. Je pense qu'on va partir vers les sorciers. Et par contre, on a assez de ressources pour monter eux de niveau aussi. Bah go. Ah oui, on est plutôt blindé de ressources, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, la carte. Merde, je suis trop dézoomé. Moi je vais ici. Voilà, ici. Ça c'était le truc de notre quête, les suivants du dieu du feu là. Alors, qui êtes-vous? Si vous n'êtes pas un suivant du dieu du feu, disparaissez. Alors, c'est sans doute le camp que le garde de Rest and Keep m'a parlé. Est-ce que vous voulez monter une attaque? On attaque. Quoi? Un assaut de Rest and Keep? C'est impossible! Protégez notre seigneur! Aux armes! Alors, on est en mode siège. Ah putain, il y a un mode siège! Alors, appuyez sur M à n'importe quel moment pendant la bataille pour ouvrir le menu de stratégie et ralentir le temps. Ajustez la stratégie de vos troupes en temps réel et jetez un œil au champ de bataille. Donc on peut bouger des troupes pour occuper des forts. Et on doit occuper tous les forts pour gagner. Alors en mode siège, les troupes qui sont perdues au combat peuvent réapparaître à un fort allié après une courte période en dépensant des ressources gagnées pendant la bataille. Ouf, putain la vache, qu'est-ce que c'est que ce...
Alors, on a un siège base. Ici, il y a un village. Ici, il y a un village. Ici, il y a la base de défense. Alors, on va les mettre en follow. On va les mettre en follow. On va les laisser en défense. Donc, putain, vous êtes en follow, follow. Donc là, ils vont me suivre. Les autres vont défendre, j'imagine. Donc on va essayer de se faire ce truc-là. Ok, d'accord, hein, ils y vont direct comme des gros porcs. Allez, bam, bam. Donc du coup, on peut directement partir à l'assaut de la base. Tant qu'à faire. Putain, il fait chier à courir là. Comment ça se passe? Ah, on la capture dans le temps quand on est dedans. Intéressant. Donc là on voit que c'est surligné, donc on la capture, j'imagine. Ok, on l'a capturé. Qu'est-ce qu'il y a à courir? C'est des archers, c'est normal qu'ils courent. Hein. Alors du coup, si on passe en M, on peut dire que eux, ils attaquent. Utilise attaque et attaque. Alors est-ce que je peux te dire vers où je veux qu'ils attaquent? Donc ils sont en raid. Stratégie raid. Raid. Eux ils me suivent. Par contre je peux pas vraiment leur dire quoi attaquer visiblement. Ils gardent une certaine initiative. Bon, ils sont partis du côté où je voulais qu'ils aillent, donc nous on va s'occuper de ce village là. Ouh, les one shot, ça fait mal. Ah, ils sont tous réapparus là. On va prendre ce village. Ils sont efficaces nos petits gars. Ok, c'est une victoire, on gagne un niveau. C'est assez intéressant comme truc, je pense qu'il faut que je le maîtrise encore, mais ça met un petit peu de changement dans le gameplay, c'est cool. Alors, maudit soyez-vous, n'imaginez pas que c'est tout ce que nous possédons, bâtard de Rest on Keep. On trouvera un autre moyen pour faire revenir notre seigneur du feu. Mais, bon Dieu, de qui parlez-vous ? Est-ce que ce dieu du feu que vous parlez n'est rien d'autre qu'un Ifrit? Vous le reconnaîtrez quand il viendra. Ok, très bien. Bon, bah du coup, on va retourner Redstone Keep par là-bas. Alors on a des niveaux qu'on a pris, on va prendre notre niveau. On va prendre la vie. Voilà. Sauvegarder un coup. Alors, est-ce qu'il faut qu'on la rende notre quête? Visiblement, c'est marqué complète, mais elle n'a pas disparu. On va passer de toute façon par ce coin-là rapidement. Ici, il y avait la mine, mais c'est pas une priorité la mine.
Ouais, voilà, c'est ça. Il y a, le petit symbole de quête avec une coche dessus, donc je pense qu'on va pouvoir la rendre. On reçoit de l'XP, parfait. Alors vous avez réussi à suivre les suivants des Ifrites, c'est incroyable. Vous devez retrouver le consigliere et il vous récompensera. Il est en train de faire une inspection aux mines au Amber Mine, au nord-est de Rustonskip. Alors très bien, mais c'est pas trop dans mon concept. Est-ce qu'il y a un marchand ici? Marchand. On peut vendre des trucs? Par exemple, si je voulais vendre genre ça, ça se passe comment? Clic droit, ok, clic droit pour vendre. Alors ça on va vendre, le champ de bon on va le vendre. Tiens, j'avais pas fait gaffe, j'avais ce truc là. Ah oui, il était un petit peu plus puissant. Enfin oui, il donne beaucoup plus de vie, par contre il a moins de physical défense. Donc bon, c'est pas forcément fifou. Ici on a une lance de base qu'on va vendre. Ça, ça permet de restaurer la durabilité des objets. C'est vrai que nos objets se cassent, hein, mine de rien. Non, on va en prendre un. Ça, on peut vendre. Ah oui, ça, c'était une arme d'arcane, on peut vendre. On va vendre nos équipements de level 1. Ça je vais garder au cas où je recrute des gens quand même qu'éventuellement j'aurais besoin d'équiper. Tiens, faut que je pense que j'ai ce truc là aussi. On confirme. On confirme, on confirme. Alors est-ce que éventuellement Fadia ma chère. Ah oui, c'était la. Ah, on peut lui donner des trucs, genre de la musique. Une ancienne musique. Ok, elle nous aime mieux du coup. Alors, about my quest. Ah merde, on m'avait donné une quête. C'était peut-être elle qui voulait qu'on récupère un truc. Ah merde, je sais plus. Alors, je sais pas ce que c'est que confesse. Allez, 180 itarques pour payer une tournée. C'est cadeau. Par contre, du coup, on avait une quête avec elle. La consigliere, non. Je sais plus c'était quoi sa quête. Merde. C'est pas grave, de toute façon on va se concentrer sur la quête. En fait j'ai l'impression qu'on peut marquer les quêtes à suivre en fait juste en cliquant dessus, ça les surligne. Mais de toute façon nous on va faire cette quête là. Non, c'est même pas du tout ça. En speed. Donc il faut qu'on trace. Alors ici c'est level 3, c'est solo, on va le faire. L'esprit du héros apparaît pour tester nos compétences. La vache, il s'est grandi. Victoire! Ok, on gagne un petit peu de sous. Et surtout, on a eu des récompenses. Ça donne 500 d'XP à n'importe quel soldat et on gagne un couteau de bonne qualité. Pourquoi pas. Alors ça, comment ça marche? On double clic. Ah non, on choisit un truc. Ah, ça peut être nous aussi. On va augmenter eux. 20 niveau de l'objet, 20 quand même. Hein. C'est cool, on a des talents, j'avais pas fait gaffe.
On pourrait avoir une White Road potion. Ah, putain, oui, c'est bon ça. Mais complètement. Alors, nous, on veut aller à Fleur. Zagros Mountain, Umbra Cliff. Ouais, ça me paraît pas mal, Umbra Cliff. Allez, go. On fait demi-tour, on s'est gouré de chemin. On sauvegarde un petit coup, mais surtout, on va s'arrêter là pour cet épisode, il est suffisamment long. J'espère du coup qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.